Je vais expliquer un petit peu de quoi s'agit-il. Nous avons quelques transactions à droite données par le grand livre, c'est-à-dire la comptabilité, et votre gauche, vous avez les transactions données par le relevé bancaire de la Banque Canada Trust. La première chose qu'il faut faire dans le logiciel, on va aller cocher les transactions qui se trouvent dans le relevé bancaire et aussi qui se trouvent dans la comptabilité. Deuxième chose, toutes les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire et qu'on n'a pas trouvées dans la comptabilité, on va les comptabiliser. Après les avoir comptabilisées, on va aller les cocher dans le logiciel pour indiquer au logiciel que ces montants-là, maintenant, on est correct, ils existent sur la comptabilité, dans la comptabilité et figurent sur le relevé bancaire. Après ça, on va aller chercher le rapport de la conciliation. Il va nous demander le solde de fin de période du relevé bancaire. On va le renseigner et à la fin, nous aurons notre rapport de la conciliation bancaire avec les soldes régularisés et ajustés de la comptabilité et aussi de celui du relevé bancaire avec un écart de zéro. Allons-y, on va aller chercher. Maintenant, je vous donne, s'il vous plaît, je vous donne 10 minutes pour cocher, marquer les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire et dans la comptabilité, marquer aussi les montants qui se trouvent dans la comptabilité mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, et marquer, s'il vous plaît, les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire mais qu'on ne trouve pas dans la comptabilité. Une fois que vous faites ça, faites-moi signe, s'il vous plaît. Donc, vous les avez déjà fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on a gagné pas mal de temps. On va aller maintenant chercher notre logiciel. Donc, voici notre logiciel. On va aller chercher la conciliation dans le module comptabilité. Je clique sur comptabilité. Je sélectionne conciliation. Je sélectionne le compte à concilier. D'accord? Donc, nouvelle conciliation, elle est là. Donc, il a gardé le 2 février. Moi, je veux date conciliation, par exemple. Attendez. OK. On va les classer par date. D'accord? On clique sur date. Et on a les dates, les transactions inscrites et comptabilisées selon l'ordre chronologique. On commence par le montant. J'ai 1, 2, 3. Le premier montant, c'est 200 000. Donc, il figure dans la comptabilité et aussi, il est indiqué sur le relevé bancaire. Deuxième montant. 11 497,50 honoraires pour avocat. C'est bon. J'ai 1149 qui est voyage d'affaires. Donc, par erreur, il y a cette description. On pourrait les corriger. Regardez, il y a deux erreurs. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va fermer et on va aller corriger les écritures et après on revient pour le rapprochement bancaire. Donc, regardez, j'ai ce montant-là, 11 494, c'est honoraire. 1149, c'est des voyages. Donc, je vais aller ici changer la description. Voyage, donc voyage d'affaires. Le chèque 3,
Okay. La facture numéro HOT 15 sur 18 et j'enregistre. J'ai cette transaction de 28 000 qui est achat de véhicule. Achat de véhicule. Donc, achat de véhicule. La facture numéro AOT 001 sur 2018. J'enregistre. Je ferme. Je sélectionne transaction pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, je vais revenir à conciliation. Le compte concerné. Et voilà. Donc, maintenant, je vais commencer à cocher les montants qui se trouvent dans la comptabilité et aussi figurent sur le relevé bancaire. Nous avons dit qu'il y a l'apport de l'actionnaire, il y a les honoraires de l'avocat, il y a le voyage, il y a achat de véhicules, il n'y a pas achat de matériel informatique, donc il ne figure pas sur le relevé bancaire. Je vais le sauter. Il y a la facture mensuelle du carburant. Voilà. Donc, selon ce cochage, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux chèques en circulation. Je n'ai pas de dépôt. J'ai deux chèques en circulation. Deux chèques remis à deux fournisseurs. Le premier. C'est le premier, c'est la compagnie qui vend l'eau informatique. Et j'ai le deuxième, c'est le loyer. Maintenant, si on check le relevé bancaire, on va combien vous avez quel est le nombre des transactions à comptabiliser? Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le nombre des transactions à comptabiliser? 8. Excellent. 8. Maintenant, qu'est-ce qu'il est le nombre des transactions qui constituent des entrées d'argent qui vont augmenter l'encaisse et quel est le nombre de transactions qui constituent des sorties d'argent qui vont diminuer l'encaisse? Donc, quel est le nombre? Tout d'abord, quel est le nombre? 6 sorties, 2 entrées. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir les autres. Là, votre collègue dit qu'il y a 2 sorties, 2 montants qui vont diminuer la caisse et 2 transactions qui vont augmenter l'encaisse. Est-ce que vous partagez cette réponse? Selon le relevé bancaire, je vois qu'il y a un dépôt du client qui n'a pas été comptabilisé, mais il existe sur le relevé bancaire, c'est-à-dire que l'argent est entré dans mon compte, donc ceci va augmenter l'encaisse dans ma comptabilité. Il y a un revenu d'intérêt, un revenu financier qui se trouve chez ma banque, dans mon compte bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé. Donc, si je le comptabilise, ça va augmenter le solde de ma banque dans mes livres comptables. D'accord? OK. Allons-y maintenant les comptabiliser. Il y a 8 transactions. 6 qui vont diminuer l'encaisse et 2 qui vont augmenter l'encaisse dans la comptabilité. Pour ce faire, je vais aller à inscription. Et je commence à saisir. Donc, la première transaction à saisir, c'est le chèque du loyer du 4 janvier. Donc, c'est un règlement avec chèque. Le mode, c'est chèque. S'il vous plaît, saisissez avec moi en même temps. La date, c'est le 4 janvier. Faites attention. Le 4 janvier. Le chèque numéro 1.
description, loyer. Loyer, janvier 2018. Le compte qui sera mouvementé, utilisé, concerné, c'est 82,01 loyer. Je saisis le montant. 3449,25. Je dois extraire les taxes. Pour extraire les taxes, j'ai deux façons. Soit je clique sur cette icône calcul automatique des taxes, ou bien juste j'appuie sur la touche P, la lettre P sur le clavier. D'accord? Avant de valider, il faut vérifier la date, le 4 janvier, description, les comptes utilisés et les montants saisis et comptabilisés. Si tout est OK, je clique sur enregistrer. Voilà la première des 6 transactions qui vont diminuer l'encaisse dans ma comptabilité. Donc, la première transaction a été bel et bien saisie. Maintenant, quelle est la prochaine transaction à saisir? Exactement, les frais et commissions bancaires qui datent du 10 janvier. Donc, ce n'est pas une transaction chèque, ce n'est pas une transaction dépôt, mais c'est une écriture. La date, c'est le 10. Il faut faire attention, s'il vous plaît, dans la date, le système, le logiciel vaut dans la date du système que vous avez sur votre ordinateur. Donc, frais bancaires, frais et commissions bancaires. Si vous avez des références, vous pouvez mettre référence numéro A, B, C, D. D'accord? Si vous avez des références, vous pouvez les ajouter. Le compte concerné, c'est 9001, intérêts et frais bancaires. Le montant, comme vous l'avez dit, c'est 150. La contrepartie, c'est la banque 1001. Le montant, c'est 150. Avant de valider, il faut toujours vérifier. Vérifier le type de l'écriture, de la transaction, pardon, la date, la description, les comptes utilisés, mouvementés, concernés, et les montants comptabilisés. Une fois vous remarquez que tout est OK, je peux cliquer sur enregistrer. Maintenant, quelle est la transaction suivante qui va diminuer l'encaisse dans la comptabilité? Effectivement, c'est l'assurance. Donc, la prochaine, c'est l'assurance qui a été réglée avec un chèque. Donc, le type ou bien le mode de la transaction, c'est chèque. Je sélectionne chèque. Je fais attention à la date. C'est le 16. Et je vais indiquer le numéro du chèque. C'est 6. Je vais mettre ici, par exemple, prime d'assurance annuelle, OK, la police numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel est le compte concerné par les assurances? C'est 82,41 comme charge. D'accord? Le montant, c'est 10 000. C'est une sortie d'argent et ça va diminuer l'encaisse, le solde de la banque dans la comptabilité de l'entreprise AOB Technologies. Avant de valider, je dois vérifier
C'est un chèque. La date, numéro de chèque, description, les comptes utilisés et les montants comptabilisés. Si tout est beau, je clique sur « Enregistrer ». Maintenant, quelle est la prochaine transaction? Est-ce qu'il va augmenter ou il va diminuer l'encaisse dans la comptabilité? Effectivement, c'est les frais et commissions bancaires d'un montant de 150 du 18 janvier. Bravo, exactement. Donc, ce n'est pas un chèque, ce n'est pas un dépôt, mais c'est une écriture. La date, c'est le 18 janvier. Je vais mettre ici frais et commissions bancaires. Si vous avez une référence, vous pouvez la mettre. Référence. Numéro A, B, C, 1, 2, 3. Le compte concerné, c'est 9001. Au débit, je vais mettre 150 $. Et l'autre compte pour balancer, qui sera crédité, c'est 10.01, le compte bancaire du même montant 150. Avant d'enregistrer, toujours, il faut vérifier. C'est quoi le mode ou bien le type de la transaction, la date, la description, les comptes mouvementés, les montants comptabilisés. Tout est OK, je clique sur enregistrer. Quel est le montant suivant ou bien la transaction suivante et est-ce qu'il va augmenter l'encaisse ou bien diminuer l'encaisse? Et quel sera le compte, numéro de compte à utiliser? Effectivement, les réponses sont bonnes. Le compte à utiliser pour cette avance, c'est 2102. Donc, ce n'est pas un chèque, mais c'est un dépôt. Virement bancaire qui a été déposé dans notre compte, c'est un dépôt. La date, c'est le 26 janvier. Le client, c'est StarTech, donc dépôt reçu du client StarTech Inc. via le chèque numéro 15. Okay? Donc, c'est un chèque, pas un virement, c'est un chèque qu'on a déposé. D'accord? Le numéro concerné, parce que quand vous utilisez dépôt et chèque, donc vous avez toujours le compte bancaire, automatiquement, il sera balancé après avoir saisi le montant du compte contrepartie. J'ai 2102, donc dépôt client, combien? C'est 30 000 $. Et la banque sera balancée automatiquement. Avant de valider, je dois vérifier. Type transaction dépôt. Okay. La date 26 janvier. La description. Chèque numéro 15. Compte concerné. Et montant comptabilisé. Tout est OK. Je valide. Maintenant, quelle est la prochaine transaction à saisir? Est-ce qu'il va augmenter ou il va diminuer? Et quel sera le compte? Et quel sera le compte? Chèque numéro 8, fournisseur 10 000, il va diminuer, OK. C'est quoi le compte à utiliser? Quel est le compte à utiliser? Effectivement, 13-13. Effectivement, 13-13. Très bien. Donc, c'est un dépôt, c'est une sortie d'argent via un chèque. Donc, c'est un chèque. La date,
C'était le 27 janvier 2018. Donc, dépôt en faveur du fournisseur, comment ça s'appelle? SOS Mac. Inc. Numéro de chèque, c'est 8. Le compte concerné sera 13-13, dépôt pour fournisseur. Le montant, c'est 10 000 $. D'accord? Avant de valider, je vais vérifier. Transaction, c'est chèque. La date, 27 janvier. Numéro de chèque, c'est 8. Description. Les comptes concernés. Et enfin, les montants comptabilisés. Tout est OK. Je valide par l'enregistrement. Quelle est maintenant la prochaine transaction? Est-ce qu'il va augmenter ou il va diminuer? Et quel est le numéro de compte? Ou bien quel est le compte à utiliser? Comme l'a dit vos amis, hein, c'est le compte... c'est le compte 59. C'est le compte 59, effectivement. 5901, revenu d'intérêt. D'accord? Donc, le montant. Regardez ici, c'est le chèque. C'est chèque. Donc, attendez, ce sera pas long. Je vais le changer. C'est un dépôt. Un virement par dépôt. Donc, je dois fermer la première, ne pas l'enregistrer. Donc, quand vous fermez la première, faites très attention à la date. D'accord? Donc, la date, c'est le 30 janvier. Donc, revenu d'intérêt, bien revenu financier. Le compte concerné, 5901. Le montant, c'est 1000 $. Et le compte bancaire a reçu un virement de 1000 qui concerne les intérêts générés par un placement financier. Avant de valider, je dois vérifier le type, c'est dépôt, la date, la description, les comptes utilisés ou bien mouvementés et les chiffres, bien les montants appropriés, comptabilisés. Si tout est OK, je valide par enregistre. Maintenant, la dernière transaction, il s'agit des frais bancaires du 31 janvier. Donc, c'est une écriture. Donc, 31 janvier, ce montant de 125 $ ne se trouve pas dans la comptabilité, c'est tout à fait normal. La majorité des frais bancaires, frais de transaction bancaire, on ne peut les connaître qu'à la fin de l'année ou bien, du mois ou bien le début du mois M plus 1. Donc, description, frais bancaires. Si vous avez des références, vous allez les mettre. Donc, 1, 2, 3, 1, A, 2, B, 3, C. OK. Le premier compte concerné, c'est 9001. Le montant, c'est 125. Le deuxième compte concerné, c'est la banque 10-01 pour balancer. On va créditer le montant qui va diminuer l'encaisse dans la comptabilité de l'entreprise. Avant de valider, je dois vérifier type de transaction, date, description, compte utilisé, montant comptabilisé. Si tout est OK, eh ben je clique sur enregistrer. Et voilà.
Donc, regardez, j'ai terminé la comptabilisation des transactions qui se trouvaient sur le relevé bancaire, mais qui ne figuraient pas dans ma comptabilité. Une fois terminé, s'il vous plaît, quelle est la prochaine étape? Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez terminé la saisie, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Regardez, je vais vous indiquer un astuce. Pour ne pas se tromper, pour ne pas se tromper, pour n'avoir que les montants accrochés, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Voyez ici en haut, cette icône à gauche, si vous cliquez, il va vous lister juste les montants non encore cochés. Vous voyez? Vous acceptez, vous avez uniquement les montants non cochés. Si vous désirez voir toutes les transactions cochées ou non pas cochées, vous allez revenir ici, vous cliquez sur voir toutes les transactions. Je vous recommande toujours d'aller ici. D'accord? Oui, pour cocher, pour ne pas se mélanger. Maintenant, quels sont les montants à cocher qu'on a comptabilisés? On a comptabilisé le loyer, on a comptabilisé frais et commissions bancaires, on a comptabilisé 10 000 pour les assurances, on a comptabilisé 150 qui est frais, commissions bancaires. On a comptabilisé 30 000 dollars comme dépôt reçu par un client sur une commande livrable prochainement. On va la cocher. Nous avons saisi 10 000 dépôts du fournisseur, qui va bien sûr diminuer mon encaisse. J'ai saisi 1 000 dollars comme revenu d'intérêt. Et j'ai saisi 125 qui sont les frais commissions bancaires. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 8 transactions à comptabiliser, 2 qui vont augmenter l'encaisse, qui sont revenus d'intérêt et avances du client, et 6 qui vont diminuer l'encaisse. Si je reviens ici, je clique sur afficher uniquement les transactions qui ne sont pas cochées, ça veut dire qu'elles sont en circulation. Regardez, je mets oui. Et voilà, nous avons 2 chèques en circulation. Checkez la comptabilité et vous allez voir effectivement que vous avez un chèque pour achat lot informatique qui n'a pas encore décaissé et circule encore. Nous avons le chèque pour loyer remis à Remax Inc. qui n'a pas été décaissé, mais qui circule encore. Donc, c'est correct. Ma question, quelle est l'étape suivante? Une fois que vous avez terminé, attendez, je vais voir toutes les transactions. Quelle est l'étape suivante, mesdames et messieurs? Donc, l'étape suivante, comme vous l'avez bien mentionné, c'est aller chercher le rapport de la conciliation bancaire pour le produire. Pour ce faire, je vais aller ici dans cette icône, je clique. Il va me demander de saisir, de renseigner, d'entrer le solde de fin de période, s'il vous plaît, du relevé bancaire et non pas de la comptabilité, du relevé bancaire. J'ai 164 717. Je dois cliquer sur produire et j'espère qu'on aura de bons résultats. Ah, moi, tout à l'heure, j'ai fait une chose exprès, juste pour vous regarder. Est-ce que vous avez, vous, est-ce que vous avez un écart? Attendez, je vais le chercher. Vous, est-ce que vous avez un écart comme moi de 125?
Est-ce que vous avez un écart? Non. Très bien. Si jamais vous avez comme cet écart-là, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut retourner ici et chercher les 125. 125 frais commission bancaire. Il a été déjà ici. On ne sera pas là une seconde. Attends, je donne la. D'accord. Je vois qu'il y a un écart de 125. Et quand j'ai vérifié, je trouve que je ne me suis pas trompé dans les transactions. Il me reste une seule chose à vérifier, c'est le solde de compte bancaire que vous avez saisi. Comment le faire? Je dois aller pour le faire, je dois aller en haut ici, appeler le rapport et regarder le montant que j'ai ici, 164 710, c'est faux. Il fallait saisir 164 585 et quand je vais cliquer sur produire, ben vous allez trouver l'écart nul, zéro. D'accord? Attendez, ce sera pas long. Et voilà, donc j'ai l'écart qui est nul, écart de zéro. OK? Pour visualiser le rapport de la conciliation bancaire avant de l'enregistrer, vous allez ici en haut, voyez ici en haut, cliquez sur visualiser et voilà votre rapport de conciliation pour la banque 1001. En date du 2 février 2018. Vous avez ici le relevé, le solde du relevé bancaire. Vous le voyez. Vous avez les deux chèques en circulation. Ils sont là, 26 444. D'accord? Donc, 164 moins les chèques en circulation, ben, ça donne 138 075. Pour ce qui est de la comptabilité, nous avons aussi le solde après régularisation et rajustement 130 140 75. Même chose pour le solde de relevé bancaire, donc c'est zéro. D'accord? Quand vous finissez, en haut, vous cliquez sur enregistrer le rapport. D'accord? Je peux mettre ce format de PDF et je vais mettre, par exemple, rapport conciliation bancaire, au 2018-02. 02. Une seconde. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer. Et voilà, il a été bel et bien enregistré. Donc, je vais aller le chercher. Ce ne sera pas long. Je vais aller le chercher et l'ouvrir. Donc, on a dit donc voilà le rapport, le voici. Il est là, le rapport. Donc, une fois vous faites le rapport, il est correct, donc vous pouvez l'enregistrer. Si vous n'arrivez pas à voir les deux soldes semblables, identiques après régularisation, je vous conseille de ne pas continuer, d'oublier ça pour une heure, deux heures, trois heures et revenir vérifier où il est votre où se trouve le problème qui vous empêche de régulariser les soldes finaux et de la période, tant pour le relevé bancaire que pour la comptabilité.
Voilà, donc j'ai terminé la correction de l'étude de cas numéro 2. Et on va passer directement à l'étude de cas numéro 3. À tout à l'heure.